Juste un 2, un 2.
Stéphane, donc pour info, ton micro est ouvert pour qu'on ait un bruit ambiant. D'accord, donc si je parle fort. Toujours là pour les événements exceptionnels. Michel, Et puis
exilé, c'est... Je suis habitué. Bien, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez toutes et tous bien? D'accord. Donc, nous allons commencer notre installation du conseil municipal pour la mandature 2020-2026.
Je suis ravie de vous accueillir dans cette salle qui n'est pas notre salle du conseil municipal habituelle, mais comme vous le savez, les contraintes sanitaires nous obligent à respecter la distanciation physique d'une part et évidemment de faire très attention pour que le virus ne circule pas. Donc nous avons été contraints d'élaborer cette séance à huis clos et ça va d'ailleurs être l'objet de la première délibération. Avant, je vais vous demander de bien vouloir couper vos portables pour ne pas interférer les débats dans cette séance. Voilà, merci. Tout le monde a appuyé sur le petit bouton. Très bien. Alors, c'est l'objet de la délibération numéro 1. Dans le cadre législatif et réglementaire, il a été mis en place pour permettre l'organisation du conseil municipal dans cette crise sanitaire, un contexte un peu particulier. Et en visant à adapter le fonctionnement des institutions locales, l'exercice des compétences des collectivités locales territoriales à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de l'épidémie Covid-19. Cela impose que l'organisation des conseils municipaux d'installation suive des modalités particulières. Et donc l'article 10 de cette ordonnance permet au maire de décider que la réunion du conseil municipal se déroulera sans public, ce qui est le cas, hein, hormis l'administration évidemment, qui est derrière nous, et ne soit autorisé à y assister en fixant un nombre minimal de personnes autorisées à y assister. Donc nous avons considéré que nous allons assister avec l'ensemble du conseil municipal et 39 élus. On a deux pouvoirs, je crois, deux absents, et l'administration et les personnes qui sont chargées de filmer cette séance en direct, puisque nous sommes en direct sur le site de la ville et sur les réseaux sociaux. Alors, il est proposé de réunir ce conseil municipal à huis clos, et je vais donc vous proposer de bien vouloir vous prononcer sur ce huis clos, évidemment à main levée. Hein. Donc cette séance d'installation qui, je vous le rappelle, s'exerce en raison des circonstances sanitaires exceptionnelles et inédites que nous vivons. Alors, je vais procéder au vote. Qui est pour cette séance à huis clos ? Je vous remercie. Il n'y a pas de contre et il n'y a pas d'abstention. Merci beaucoup. Je vais donc désormais installer le nouveau conseil municipal, je dirais enfin, puisque les nouveaux élus étaient très, très impatients et impatientes, je le sais, d'être installés dans leur fonction. Donc, c'est l'article L2122-15 du Code général des collectivités territoriales. Le maire et les adjoints continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leur successeur, ce qui est le cas aujourd'hui. Vous allez donc succéder à ceux qui étaient élus auparavant. Donc, je vais rappeler tout d'abord les résultats du scrutin du 15 mars 2020, puisque, évidemment, ça fait déjà un peu plus de 2 mois. Et peut-être qu'il faudra rafraîchir les mémoires. Donc, le résultat du scrutin, selon le procès-verbal, hein, était le suivant. Il y avait en inscrit 18 291 inscrits, 7 682 votants et 7 398 exprimés. La liste Ensemble pour Malakoff, conduite par Jacqueline Bellhomme, a obtenu 4 747 voix, soit 64,17% des suffrages exprimés. La liste Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, menée par Joël Brossat, avait obtenu 215 voix, soit 2,90% des suffrages exprimés. La liste Demain Malakoff, conduite par Olivier Rajman, a obtenu 1894 voix, soit 25,60% des suffrages exprimés. Et la liste Le Malakoff citoyen, conduite par Stéphane Totoui, a obtenu 542 voix, soit 7,33% des suffrages exprimés. En conséquence, le nombre de sièges de conseillers municipaux se répartit ainsi conformément aux dispositions du Code électoral. La liste Ensemble pour Malakoff, 33 sièges. La liste Demain Malakoff, 5 sièges. Et la liste Le Malakoff citoyen, 1 siège. Voilà, je vais donc maintenant procéder à la lecture des conseillers élus dans l'ordre du tableau. Pour la liste Ensemble pour Malakoff, donc 33 sièges, Madame Boyaval Jocelyne, Madame Maurice Catherine, Monsieur Cardo Dominique, Madame Aloda Fatia, Madame Sourig Carole, Madame Bellhomme Jacqueline, Madame Aprikian Virginie, Monsieur Goldberg Michael, Monsieur Brice Pascal,
Monsieur, Madame Le Guillou, Annick, Monsieur Ars, Roderick, Monsieur Olivera Antonio, Madame Ibos, Bénédicte, Monsieur Courtail, Loïc, Madame Parmentier, Corinne, Madame Figuière, Sonia, Monsieur François, Thomas, Madame Riati, Vanessa, Monsieur Gutiérrez, Grégory, Madame Trichet, Allaire, Dominique, Madame Muret, Julie, Monsieur Ba, Saliou, Monsieur Awad, Michel, Madame Amache, Nadia, Monsieur Garcia Nicolas, Madame Belad Youssef, Ella, Monsieur Poulet Jean-Michel, Monsieur Émidie Farid, Monsieur Vernon Martin, Monsieur Denas Aurélien, Monsieur Toy Anthony, Madame Kitenge Tracy et Madame Fatou Silla. La liste demain Malakoff 5 sièges, Monsieur Bressé Gilles, Monsieur Pronesti Roger, Madame Jeannès Emmanuel, Monsieur Rajman Olivier, Madame Ro Charlotte. Et la liste Malakoff citoyen 1 siège, Monsieur Totoui Stéphane. Alors, les choses étant lues, je déclare donc le conseil municipal installé. Et la séance au cours de laquelle nous allons donc continuer à élire les adjoints notamment, en vertu de l'article L2122-18 du Code général des collectivités, je vais confier la présence au conseiller le plus âgé afin de procéder à l'élection du maire. Et il s'avère que le conseiller le plus âgé est une conseillère, puisque c'est Madame Jocelyne Bayaval qui a cet honneur. Et je vais donc lui donner la présidence. Évidemment, vous comprendrez bien que dans le cadre des raisons sanitaires, nous n'allons pas changer de place. Je vais vous demander donc d'opérer une petite opération intellectuelle et de vous penser que Madame Bayaval vient à ma place, que je viens à la sienne. Mais ça, c'est tout à fait virtuel, évidemment. Jocelyne, à vous la parole. Mesdames et messieurs, les conseillères, les conseillers, chers collègues, vous m'entendez ? Je dois à une circonstance bien involontaire de ma part, mon âge, l'honneur de présider avec une grande émotion cette séance d'installation du conseil municipal de notre ville pour la mandature 2020-2027. Je vais procéder à l'appel des élus et à la constatation des conditions du quorum. Donc, je vais faire l'appel. Bayaval Jocelyne, présente. Maurice Catherine. Cardo Dominique. Présent. Aloda Fatia. Présent. Sourigue Carole. Présent. Bellum Jacqueline. Présent. Aprikian Virginie. Présent. Golbert Michael. Brice Pascal, Le Guillou Annick, présent. Ars Roderick, présent. Olivera Antonio, présent. Ibos Bénédicte, présent. Courteil Loïc, présent. Parmentier Corinne, présent. Figuère Sonia, présent. François Thomas, présent. Riati Vanessa, présent. Gutiérrez Grégory, présent. Trichet Allaire Dominique, Muret Julie, donne pouvoir à Trichet Allaire, Bas Saliou, Awad Michel, présent. Amash Nadia, présent. Garcia Nicolas, pardon, Ben H. Youssef, donne procuration à Monsieur Touay, Poulet Jean-Michel, présent. Émilie Farid, Vernon, Martin, Donaïs Aurélien, Kitigé Tracy, Silla Fatou, Bressé Gilles, Pronesti Roger, Jeannès Emmanuel, Rajman Olivier, Ro Charlotte, Totui Stéphane. Donc, il convient de respecter les règles du quorum fixées par l'article L2121-17 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance. Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L2121-10 et L2121-12
Ce quorum n'est pas atteint. Le conseil municipal est à nouveau convoqué à 3 jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. Le respect du principe du vote secret impose une réunion physique du conseil municipal pour l'élection du maire et des adjoints. L'article 1er de l'ordonnance numéro 2050-562 du 13 mai 2020 prévoit que pour l'élection du maire et des adjoints, le quorum est abaissé à un tiers des élus, mais que seuls les membres présents sont comptabilisés. Ces membres présents peuvent toutefois être porteurs de 2 pouvoirs pour le vote des différentes délibérations et l'élection du maire, de l'exécutif, pardon. Cette disposition relative au quorum est limitée à la séance durant laquelle il est procédé à l'élection du maire et des adjoints. Elle diffère du quorum de droit commun prévoyant que la moitié des élus doivent être présents, chacun pouvant être porteur d'un pouvoir. Cette mesure vise à garantir la pleine légitimité démocratique du scrutin, tout en facilitant le respect des mesures de distanciation sociale, conformément à l'avis du 8 mai 2020 du Conseil scientifique de la réunion d'installation des conseils municipaux. Donc, le calcul du quorum, seuls comptent les conseillers municipaux qui sont personnellement et physiquement présents, à l'exclusion de ceux qui ont donné procuration à un mandataire. Il faut donc 13 élus personnellement et physiquement présents pour que ce quorum soit atteint. Le quorum est atteint. Donc, les conditions sont remplies. Donc, je déclare ouverte la séance officielle du Conseil municipal. Je vais procéder à la désignation du secrétaire de séance. Au début de chacune de ces séances, ce conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Afin de procéder à l'élection du maire, il convient conformément à l'article L21-21-15 du Code général des collectivités territoriales de nommer un secrétaire de séance. Si aucun conseiller municipal s'y oppose, il est proposé de désigner le secrétaire de séance à main levée. Je demande, y a-t-il des objections sur ce vote à main levée ? Je propose, comme il est d'usage, la candidature du plus jeune des conseillers municipaux. En l'occurrence, Madame Fatou Silla, née le 7 novembre 1999. On sait tout. Donc, Madame Fatou Silla est donc seule candidate à la fonction de secrétaire de séance. Nous allons procéder au vote qui se déroule à main levée. Qui est pour cette candidature ? Contre ? Abstention ? Prenant pas part au vote. Donc, Madame Fatou Silla est désignée comme secrétaire de séance. Ensuite, nous allons procéder à la désignation des 2 assesseurs. Il convient de désigner 2 assesseurs qui officieront pour l'ensemble des scrutins de la séance de ce samedi 23 mai. Je propose les candidatures de Catherine Maurice et Charlotte Rowe. Y a-t-il d'autres propositions ? Je propose qu'on vote à main levée. Qui est pour ces 2 candidatures ? Contre ? Abstention ? Donc, Catherine Maurice et Charlotte Rose sont donc désignées comme assesseurs. Nous allons passer à l'élection du maire. C'est pour ça que je prenais un petit peu de souffle. Donc, chers collègues, nous allons procéder à l'élection du maire. Je vais vous faire part de la lecture des articles L21-22-4 L21-22-7 du Code général des collectivités territoriales. Je vous rappelle que l'article L21-22-4 du Code général des collectivités territoriales dispose
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue. L'article L2122-7 du Code général des collectivités territoriales dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Y a-t-il des conseillers municipaux qui souhaitent faire acte de candidature ou proposent la candidature d'un collègue ? Monsieur Rajman ? Madame Ratim, Monsieur Rajman ? Donc, dans cette perspective, je propose aux différents groupes politiques de prendre la parole, de 3 minutes maximum. Voilà. Alors, en premier, je donne la parole à Madame Vanessa Riati pour le groupe Front de Gauche. Malakoff. Malakoff, on s'en. Alors, on coupe le micro là. Communistes et citoyens, citoyennes. Madame la présidente de séance, chers collègues, chers Malakoffio et Malakoffiotes, je tiens tout d'abord, au nom des élus du groupe Malakoff en commun, communistes et citoyens, citoyennes, après une campagne électorale stimulante, riche de rencontres et de propositions issues des ateliers citoyens. Les nombreux suffrages apportés à notre liste Ensemble pour Malakoff et de son projet de ville témoignent d'une confiance des politiques locales menées ces dernières années et d'une attente forte de respect des engagements pris et de démocratie locale. Notre projet porte un haut niveau de service public et des politiques publiques répondant aux besoins sociaux et environnementaux. Il compte des actions fortes favorisant l'émancipation du plus grand nombre, l'accès aux droits sociaux, le droit au logement, à la santé, à la culture, à l'éducation. Nous voulons offrir à chacune et chacun une place et un avenir. Au nom des militants de cette belle campagne, de celles et ceux qui ont contribué au succès de notre élection, de celles et ceux qui nous ont apporté leur suffrage, au nom du groupe Malakoff en commun, communistes, citoyens, citoyennes, j'ai l'honneur et la grande fierté de proposer à notre Assemblée la candidature de Jacqueline Bellhomme pour être maire de Malakoff. Une fonction que tu connais, Jacqueline. Maire depuis 5 ans, tu l'as exercée avec responsabilité, le sens de l'écoute et du dialogue. Face aux difficultés de l'exercice du mandat local et des politiques austéritaires menées par un gouvernement soumis aux diktats libéraux qui cassent les services publics, appauvrissent les collectivités locales, piétinent la démocratie sociale, tu fais preuve de combativité et de détermination. Féministe, attachée au service public, résolue à agir localement pour répondre aux défis sociaux et environnementaux, tu as le sens du travail collectif. Forte de ton expérience, de tes compétences et de tes qualités, tu conduiras avec dynamisme le projet de ville et le travail des forces de gauche, écologiques, citoyennes de la majorité municipale. Notre groupe, composé de femmes et d'hommes, au parcours de vie, aux vies divers, à l'image de la mixité sociale de Malakoff, communistes et citoyens et citoyennes, nous sommes rassemblés pour être entièrement mobilisés pour porter avec toi, avec toi et nos collègues, ce projet. À l'opposé des premiers de cordée et d'une société du mérite que certains prônent, notre volonté est de mettre toute notre énergie au service du bien commun, de notre ville, de ses habitants. Je veux enfin remercier très chaleureusement les élus du groupe Front de Gauche de la dernière mandature pour leur engagement au service de notre ville et qui ont largement contribué au succès de notre ville. Un grand merci à vous. Et vous me permettrez un dernier petit mot, tout personnel, à Catherine Margaté, notre maire honoraire, qui m'a beaucoup apporté dans mon mandat d'élu local, de l'écoute, de la confiance, de la bienveillance, à son image et telle qu'elle a été dans notre campagne. Un grand merci, Catherine, pour avoir toujours été à nos côtés. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Roderick Ars pour le groupe Les Écologistes. Madame la présidente de séance, madame la secrétaire de séance, chers collègues nouvellement élus, au nom des élus Europe Écologie Les Verts et Génération réunis dans le groupe Les Écologistes, permettez-moi en premier d'avoir une pensée pour nos collègues anciens élus. Je voulais les remercier de leurs 6 années de travail pour notre collectivité et en particulier remercier Catherine Margaté qui a su passer la main avec brio.
Je voulais aussi remercier les anciens élus de mon groupe, Anne-Carine Mordos, Jean-Renaud Seignol et Gilbert Mettet. Dans cette période inédite, ils et elles ont su rester sur le pont quand on avait besoin d'eux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour notre premier conseil municipal. Enfin, comme l'a déjà dit Madame Bellhomme, ces deux derniers mois ont été une période d'instabilité, d'incertitude, de maladie pour beaucoup, dont certains de mes colistiers et moi-même, et de deuil pour d'autres. Pour beaucoup, ces deux derniers mois ont été une épreuve, une douleur, et j'aimerais que nous ayons une pensée pour eux. Que de choses ont changé, que de certitudes ont été battues en brèche, que d'impossibles ou inenvisageables se sont réalisés, que de lanceurs d'alerte ont été confirmés dans leurs cris. Et je voudrais citer la talentueuse écrivaine Fred Vargas. Quand cette épidémie aura enfin passé, la volonté d'un autre monde, d'une large refonte, se dressera face à ce qu'on a qualifié déjà le monde d'avant. Avant. Et en dépit des menaces gravissimes qu'est le changement climatique, nous allions la main dans les poches et le nez au vent, portés par le flot de notre société d'abondance, pénétrés d'un sentiment d'invulnérabilité. En Europe, les drames sanitaires, la disette, les eaux non potables, tout cela appartenait aux hommes et aux femmes des anciens temps. Il ne pouvait en aucun cas nous atteindre. Quand soudain le coronavirus vint semer un formidable coup de hache à nos croyances sereines, brusquement nous nous sommes retrouvés hébétés, car totalement démunis, sans masques, sans gants, sans désinfectants, y compris pour les soignants tant exposés et trop peu nombreux. Nos entreprises ayant remis leur production entre les mains de la Chine, pour l'éternelle raison du profit, nous fûmes dans l'incapacité de faire face à l'épidémie. Nous assistons bel et bien à l'effondrement de notre aveuglement, à la fin de ces certitudes confortables qui régnaient il y a 4 mois encore. Quand viendront les prochaines crises écologiques, nous serons nus, incapables de nous nourrir et de nous vêtir par nous-mêmes, incapables de fabriquer des médicaments, sans parler de quantité d'autres biens de première nécessité. À moins d'anticiper, et vite, et de nous restructurer en profondeur, qu'il s'agit des entreprises comme des territoires agricoles. Voilà ce que le coronavirus, en marge de son affligeant cortège, a fait éclore en quelques semaines. Une clairvoyance. Reste à espérer qu'elle se propagera aux autres domaines essentiels de la vie, eau polluée, sol dégradé, sécheresse, forêt fragilisée, océan acide, tant menacés par le réchauffement climatique. Nous, écologistes, voulons partager cette clairvoyance, car à chaque crise, ce sont toujours les plus faibles, les plus pauvres, les plus démunis qui trinquent. Cette clairvoyance, nous la voulons à l'échelle de notre planète, de notre pays, de nos régions et de nos territoires. Mais cette clairvoyance, en un autre monde, nous la pouvons pour notre ville. Déjà, dans le mandat précédent, nous avons entamé la transition écologique de notre ville. Nous avons posé les bases d'une ville résiliente. Dans ce nouveau mandat, nous voulons faire la ville qui protège ses habitants face aux prochaines crises sociales et environnementales. Notre feuille de route, c'est l'écologie. La crise du Covid est violente, mais Malakoff n'a pas été pris au dépourvu grâce, entre autres, à des centres de santé exemplaires, grâce à un CCAS réactif et à l'écoute, grâce à des structures de l'ESS prêtes à faire des visières et des masques, grâce aussi à un tissu associatif dense et impliqué. Nous avons pu très rapidement déployer des pistes cyclables supplémentaires, car elles étaient déjà prévues dans notre plan global de déplacement travaillé depuis 2 ans. Nous avons juste avancé la date de leur réalisation, car les pistes cyclables sont une nécessité si on ne veut pas que le virus rebondisse. Ce virage de ville résiliente que les écologistes souhaitent, il est porté par Jacqueline Bellhomme. Cette transition écologique, c'est notre feuille de route pour les années qui viennent, et nous faisons confiance à Jacqueline Bellhomme et à toute son équipe qui compose notre majorité municipale pour le mener à bien. Nous faisons confiance à Jacqueline Bellhomme, qui est une maire féministe, pour vaincre avec détermination les forces conservatrices du monde d'hier. En conséquence, les élus écologistes voteront avec sérénité et détermination pour Jacqueline Bellhomme comme maire de notre ville. Je vous remercie. Je passe la parole à Annick Le Guillou du Parti Socialiste. Ça marche ? J'interviens pour le groupe socialiste et apparenté. Chers collègues, un grand merci à ceux d'abord qui ont œuvré pour que ce conseil municipal puisse se tenir dans cette période particulière de crise sanitaire. Une pensée aussi pour tous les anciens élus et notre maire honoraire, ici présente, Catherine Margaté. Je souhaiterais tout d'abord, au nom du groupe socialiste et apparenté, penser à toutes les récentes victimes du coronavirus, à leurs familles et malades qui luttent encore actuellement. Nous tenons aussi à féliciter à Malakoff, ici même, tous les Malakoffiaux pour leur civisme et souligner la mobilisation citoyenne qui s'est mise très rapidement en place. Un grand merci, Madame le maire et l'équipe sortante sur le terrain,
tous les jours avec une mobilisation sans relâche. Merci enfin aux agents municipaux en télétravail, mais aussi à tous ceux qui sont restés en première ligne, comme les commerçants de première nécessité, les postiers, les livreurs, les éboueurs, les bénévoles aussi, tous les premiers de tranchée, et bien sûr les soignants. Nous avons choisi en conscience de défendre les valeurs de gauche dans une liste rassemblée et remercions pour leur confiance les Malakoffiaux qui nous ont élus. Nous avons désormais l'obligation d'être exemplaires. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour Malakoff, avec l'ambition d'être à l'écoute et représenter le mieux possible nos concitoyens au sein de notre mairie. Aujourd'hui, nous réaffirmons notre soutien à cette majorité afin de poursuivre ce que nous avons construit ensemble depuis tant d'années et qui a permis à Malakoff de consolider ce modèle hors norme de mixité et de solidarité auquel nous sommes tous très attachés, à l'image de nos centres municipaux de santé tellement efficaces et utiles ces derniers mois. Les défis qu'il nous faut relever sont encore plus criants dans le monde d'après. Le logement pour tous, car Malakoff doit rester une terre de mixité sociale. Le développement durable, car la haute idée que Malakoff se fait de l'être humain ne peut aller sans un profond respect de l'environnement. La vie culturelle pour tous également, car Malakoff a l'ambition d'offrir le meilleur à chacun. L'attractivité économique, car Malakoff doit garder les moyens de ses ambitions. L'emploi, la solidarité, le service public, car Malakoff doit donner sa chance à chacun. L'exigence démocratique, enfin, car Malakoff ne peut se construire qu'avec ses habitants. En tant que socialistes, nous renouvelons notre engagement. Le rôle de notre groupe a toujours été d'être force de proposition, en s'appuyant sur les réseaux locaux, en encourageant l'émergence des collectifs, en créant des passerelles entre les associations, les entreprises, les commerces, les Malakoffiaux. Plus que jamais, nous souhaitons nous inscrire dans cette dynamique qui constitue un préalable à la cogestion et à la transparence de l'action municipale. Nous soutenons la candidature de Jacqueline Bellhomme, qui porte ce rassemblement de gauche et des écologistes, et au-delà, des citoyennes et des citoyens engagés pour leur ville. C'est pourquoi nous, socialistes apparentés, voterons pour Jacqueline Bellhomme. Merci, Madame Le Guillou. Je passe la parole à Monsieur Anthony Touay, la France Insoumise. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, commençons par dire merci. Merci à toutes les Malakoffiotes et les Malakoffiaux qui se sont déplacés dans des conditions plus que particulières lors du premier tour des élections municipales et qui ont donc voté massivement pour la liste Ensemble pour Malakoff menée par Jacqueline Bellhomme. Avec un programme social, écologique et solidaire, fruit d'un travail collectif et citoyen. Nous appuierons donc la candidature de Jacqueline Bellhomme. Catherine Margaté, comme Léo Figuère, a tracé le chemin d'une fille solidaire. Nous serons dans la continuité. Merci Catherine. La France Insoumise constituera un groupe autonome. Et travaillera à mettre en place ce programme d'intérêt général avec les élus de la majorité. Nous y porterons les valeurs de l'avenir en commun. Comme vous le savez, le Covid a frappé partout dans le monde. En France, tout a tenu et tient grâce au dévouement des travailleuses et travailleurs qui sont en première ligne. Le personnel soignant, les agents du service public, les caissières, les caissiers, les techniciennes et techniciens des services vitaux à la nation, les agents d'entretien, les enseignantes et les enseignants, les éboueurs, les livreurs, j'en oublie sûrement, merci à eux. Enfin, merci à toutes les Malakoffiotes et tous les Malakoffiaux mobilisés, disciplinés et solidaires. Nos pensées vont également à tous ceux qui ont perdu l'un des leurs. Dès le commencement de l'épidémie, l'improvisation et l'incompétence de nos gouvernants sont apparues aux yeux de tous, là où une véritable planification de la mobilisation sanitaire aurait été nécessaire. Après avoir détruit l'hôpital public et les services publics en général, Emmanuel et Macron, comme leurs prédécesseurs Nicolas Sarkozy puis François Hollande, ont maintenu une intense cure d'austérité. En 2018 et 2019, les hôpitaux ont été contraints de réaliser 2,6 milliards d'économies en rapport avec les lois de financement de la sécurité sociale. Le manque de masques, qui devraient être gratuits, de tests, de lits d'hôpitaux, de personnel soignant, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD,
montre à quel point il est temps d'en finir avec l'extrême libéralisme et l'austérité. Nous avons besoin d'une politique d'investissement dans tous les services publics, d'embauche, d'augmentation de salaire, ce qui implique un vrai partage des richesses. Le président de la République et son gouvernement ont décidé de concentrer plus durement le pouvoir en décidant tout seul. L'état d'urgence sanitaire donne des pouvoirs exorbitants à l'exécutif qui piétine nos libertés individuelles. Rappelons que même pendant la Seconde Guerre mondiale, un comité de suivi était en place afin de maintenir la séparation des pouvoirs. La démocratie sociale a elle aussi été piétinée dans les entreprises, pourtant si importante, pour permettre aux salariés de définir des mesures sanitaires à prendre dans l'entreprise. Une fois de plus, le gouvernement a refusé de décider avec les syndicats, les travailleuses et travailleurs de ce pays, des questions essentielles. Par exemple, la distinction entre les secteurs économiques essentiels et non essentiels à la vie de la nation. De plus, la crise a mis en avant de fortes inégalités. Ceux qui possèdent un jardin ou une résidence secondaire ont mieux traversé la crise. C'est un fait. Alors que dans certains quartiers populaires, une crise de la faim a été évitée grâce à la solidarité d'élus locaux ou de citoyens entre eux. Je pense à ces associations de quartiers qui ont fait un travail extraordinaire, ou même de toutes ces petites attentions entre voisins pour casser la solitude et ainsi aider les plus fragiles. Il est donc nécessaire de protéger les plus faibles. Le monde d'après doit être complètement différent de celui d'avant, où l'accumulation des uns, ces fameux 1%, se nourrit de la détresse des autres. Nous devons réfléchir à de nouvelles manières de produire. Relocalisons, réinternalisons, nationalisons tout ce qui doit l'être. Nous devons investir dans la transition écologique, instaurer une 6e République où un homme ne déciderait pas tout seul de ce qui est bon pour tous. Ensemble, construisons le monde d'après, où le tous ensemble prévaudra sur le chacun pour soi. Plus jamais ça, vive Malakoff. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Je donne la parole à Monsieur Rajman du groupe Demain Malakoff. Là, ça devrait fonctionner. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, je me porte candidat à la mairie de Malakoff, porté par un score inédit à Malakoff, où les listes d'opposition rencontrent souvent bien des difficultés à exister. Avec 25,6% des voix et 5 élus, nous constituons désormais la principale force d'opposition politique dans notre ville. Opposition que nous entendons constructive et participative. Ne pas s'opposer pour s'opposer, mais proposer, débattre et relayer, en plaçant toujours l'intérêt de notre ville et de ses habitants au premier plan. Si vous m'élisez maire, je me mettrai au service de tous les habitants et pas au service de quelques-uns, des syndicats ou des partis politiques. Si vous m'élisez maire, je ferai respecter les règles républicaines, car il est inacceptable de laisser s'épandre violence et injures, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la ville. Si vous m'élisez maire, en tant que signataire de la charte Anticor, qui va plus loin que la charte de l'élu local proposée, je m'engagerai notamment à respecter les règles relatives aux conflits d'intérêts et j'exigerai de mes adjoints et conseillers qu'ils fassent de même. Nous abordons ce conseil municipal avec de réelles convictions, avec énergie et pragmatisme, car nous savons que la tâche est ardue. Nos revendications sont nombreuses mais réalistes. Elles concernent prioritairement l'écologie, le commerce, la transparence, la démocratie et la sécurité, thèmes que vous avez traités avec beaucoup trop de timidité et d'incohérence par le passé, et aussi malheureusement dans votre projet pour la mandature qui s'ouvre aujourd'hui. En tant que groupe d'opposition, nous serons attentifs tout au long de la mandature à toutes les actions de l'exécutif. Nous vous pousserons à conduire une politique réellement écologique, à ce que les concertations et riverains soient écoutés et pris en compte. Nous veillerons à la transparence de votre gestion des deniers locaux. Et enfin, nous serons particulièrement vigilants sur la manière dont vous comptez poursuivre la densification, car cela mériterait plus de concertation et de pertinence.
Nous sommes, pour terminer, partisans d'une plus grande ouverture aux idées et aux initiatives des autres communes et à une meilleure collaboration au sein de Vallée-Sud Grand Paris, ainsi qu'avec notre députée Lauriane Rossi. Aussi, même si nous dénonçons souvent vos méthodes, nous vous proposons de vous accompagner pour défendre des objectifs partagés. Et pour ce faire, il nous semblerait opportun et de bon augure pour cette mandature de nous laisser un siège à Vallée-Sud Grand Paris au nom de la démocratie, comme cela se pratique dans d'autres villes. Vous avez fait un choix différent en 2015. Nous vous offrons l'opportunité de démontrer que vous ouvrez une nouvelle façon de travailler avec tous les élus de ce nouveau conseil municipal pour l'intérêt général. Dépassons enfin les clivages politiques pour le plus grand bien des Malakoffiaux et de Malakoff. Un dernier mot, en cette période très exceptionnelle, pour remercier chaleureusement les agents municipaux et territoriaux, les commerçants et toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant cette crise sanitaire. Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Tautoui du groupe Malakoff Citoyens. Madame la Présidente, Madame Boyaval, Madame la Secrétaire, Madame Silla, Mesdames et Messieurs, chers collègues, chers habitants de Malakoff, en ce jour d'installation du nouveau conseil municipal, permettez-moi de profiter de l'occasion pour remercier les électeurs pour avoir rempli leur devoir républicain, pour faire vivre la démocratie et surtout dire un grand bravo aux agents de notre territoire pour leur implication à faire vivre les services publics. Surtout, merci à vous d'être au front pendant cette crise sanitaire. Je souhaite un prompt rétablissement aux populations ayant eu le Covid-19. Je présente toutes mes condoléances aux familles qui ont été endeuillées. Et je salue encore une fois tous ceux ou toutes celles de la République qui ont travaillé, œuvré à ce que cette crise puisse être, pas dans le passé, mais soit toujours acceptable par la population. Chers collègues, bravo à toutes et à tous d'avoir accepté de vous mettre au service de la population de Malakoff et de la République. Je voudrais vous demander d'être réellement dans l'intérêt du quotidien des habitants qu'au service de vos partis politiques. L'intérêt commun que nous devons avoir sont agir à protéger, à améliorer, à défendre, à écouter et à servir le quotidien de chaque Malakoffien, Malakoffiote, tout en laissant le rapport de force entre l'État et la municipalité pour les partis politiques et tout ce qui est syndicaliste. Engagez votre énergie, que cela ne soit pas inutile, mais que cela soit utile pour l'ensemble de la population de Malakoff. Donc restons sur Malakoff et poussons tous les clivages afin que le clientélisme stoppe dans cette nouvelle mandature. Comme à ma première mandature, je réitère mon engagement que j'ai pris son allemand dans cette assemblée, en face de Madame Margaté, que je salue au passage. Tous les habitants de Malakoff, peu importe leur tendance politique, leur confession religieuse ou leur origine, doivent avoir accès aux services publics et aux élus que nous représentons. Je serai dans une opposition constructive, ouverte, dynamique et libre. J'appliquerai avec cette assemblée délibérante mon concept de pan politique, pan qui veut dire tous, et politique qui veut dire la gestion du quotidien. Mesdames et messieurs, les futurs maires, je salue votre élection, si cela se fait par rapport à la majorité, je saluerai toujours cette élection. Si c'est l'opposition qui passe, je saluerai aussi cette élection. Mes collègues, chers collègues, je vous invite à agir avec tous les égards envers les élus, si vous êtes élus dans la majorité. L'opposition n'est pas votre ennemi. L'opposition est simplement un miroir pour pouvoir vous faire voir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. L'opposition n'est pas là pour pouvoir vous tuer, mais l'opposition est là pour agir avec vous pour l'intérêt de la population et non pour vos intérêts. L'adversité se caractérise par des idées, des échanges. J'espère et je souhaite que vous allez rester toujours humains afin que la démocratie sur cette ville continue toujours à vivre. Madame ou Monsieur le maire,
Je vous invite aussi à réellement faire valoir votre autorité pour que l'opposition ne soit pas censurée ou que leur personne physique ne soit pas agressée. Que le personnel municipal ou personne rémunérée par la ville doit agir envers l'opposition comme elle agira avec la majorité. Les injures, les attaques doivent stopper. Je vous demande aussi de beaucoup communiquer pour l'ensemble de la municipalité et non pour votre groupe. De communiquer pour Malakoff et non pour le national. Laissons cela aux journalistes et aux autres partis. En espérant que cette mandature, nous, élus d'opposition, nous réussirons à obtenir tous les documents que nous demandons chaque année et que cette fois-ci, nous les aurons tous et toutes. Afin que cette mission que nous devons remplir, que je rappelle, c'est une mission bénévole, puisse être une mission réelle, car nous dépensons notre énergie à être présents, être là pour les citoyens. Je terminerai mon propos en disant, Malakoff citoyen restera toujours à la disposition de tous les citoyens, même des élus de la majorité, même du personnel de la municipalité, sans distinction, sans rejet et sans haine. Si tous les élus s'associent pour œuvrer pour Malakoff, je pense que Malakoff rentrera dans ce siècle, dans ces 6 années, avec vraiment tous les mérites qu'elle devra avoir. Chers collègues, chers citoyens, nous avons 6 ans à mener ensemble pour construire un Malakoff de demain, un Malakoff que tous les citoyens rêvent. Alors, je vous demande de toujours être à l'écoute de l'opposition. Je vous remercie. Merci. Donc, je constate que les deux candidatures pour l'élection du maire sont Madame Jacqueline Bellhomme et Monsieur Olivier Rajman. Y a-t-il d'autres candidatures pour la fonction de maire ? Nous allons passer donc au vote à bulletin secret. À l'appel de votre nom, vous déposerez dans l'urne que vous présentera l'appariteur. Je rappelle que les bulletins sont à disposition dans une pochette devant vous. Madame Catherine Maurice, assesseur, va procéder à l'appel. Et à chaque nom, l'appariteur viendra avec l'urne et vous déposerez votre bulletin. C'est bon pour tout le monde ? C'est clair ? Ça va ? Donc, l'urne, qui c'est qui prend l'urne ? Madame Catherine Maurice. Thank you.
Monsieur Dominique Cardo. Ça passe, t'as raison, ça passe. Madame Fatia Aloda. J'ai déplié. Ouais, parce que tout le monde l'a plié. Madame Carole Sourigue. Trop prévoyant. Ah oui, c'est vrai, du coup, on va savoir que c'est toi. Anthony, moi, je suis fidèle. Madame Jacqueline Bellhomme. On va faire des kilomètres. Jacqueline avait fait comme moi. Madame Virginie Aprikian. Oui. Là, c'est à mi-chemin. Nous, on est allé à côté, l'un de l'autre. Bénédicte, nous, on est à côté. Oui. En termes d'âge. Monsieur Michael Goldberg. C'est comment le classement ? Le parage. Ah, c'est parage. Là, c'est ce qu'on appelle le comment ? Ah, je ne savais pas. Ah, bah oui, nous, on est proches, nous. Le tableau. Monsieur Pascal Brice. Madame Annick Le Guillou. Monsieur Roderick Ars. Monsieur Antonio Oliveira. Madame Bénédicte Ibos. Monsieur Loïc Courteil. Madame Corinne Parmentier. Madame Sonia Figuer. Monsieur Thomas François. Madame Vanessa Riati. Monsieur Grégory Gutiérrez. Madame Dominique Trichet-Heller. Madame Julie Muret donne pouvoir à Madame Trichet-Heller. Monsieur Saliouba. Monsieur Michel Awad. Madame Nadia Hamache.
Monsieur Nicolas Garcia. Madame Ella Belhadj-Youssef donne pouvoir à Monsieur Touahia. Monsieur Jean-Michel Poulet. Monsieur Farid Hemidi. Monsieur Martin Vernant. Monsieur Aurélien Denaès. Monsieur Anthony Touaille. Madame Tracy Kitenge. Madame Fatou Silla. Monsieur Gilles Bressé. Monsieur Roger Pronesti. Madame Emmanuelle Jeannès. Monsieur Olivier Rajman. Madame Charlotte Rowe. Monsieur Stéphane Tautuy. Nous allons procéder au dépouillement. Madame Catherine Maurice et Madame Charlotte Rowe vont officier comme assesseurs et vous rejoignez l'équipe administrative. Là ? Au milieu, là. On va y arriver. On va y arriver. C'est juste pour faire un peu de sport en plus. C'est, voilà. C'est faire un petit tour encore. Voilà. Alors, je rappelle, pour le dépouillement, donc, il y a un assesseur qui va ouvrir le bulletin et l'autre qui donnera le nom. Je vous demande, comme il n'y a pas de micro, et sans toucher le bulletin. Il n'y en a qu'une qui touche. Voilà. Sans ouvrir l'urne. Donc, et vous donnez le nom assez fort, hein, puisqu'il n'y aura pas de micro, qu'on puisse vous entendre. Merci. Faut ouvrir l'urne. Et donner des gants à l'assesseur, voilà.
Madame Jacqueline Bellhomme. 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 On s'en rend bien. Hein. Madame Jacqueline Bellhomme. 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 Monsieur Olivier Rachman. Madame Jacqueline Bellhomme. Monsieur Olivier Rachman. Monsieur Olivier Rachman. Monsieur Olivier Rachman. Blanc. Devine. Monsieur Olivier Rachman. Madame Jacqueline Bellhomme. Madame Jacqueline Bellhomme. Blanche, un blanc, un vote blanc. Est-ce que madame Oliata qui va proposer un vote donc 33 voix pour Madame Jacqueline Bellhomme. C'est Madame la Présidente qui va proclamer les résultats. Merci, oui. Merci à nos deux assesseuses à l'administration. Donc, après ces résultats, je vais vous donner les résultats. Oui, je vais pas. Je suis émue. Voilà. Donc, les résultats du scrutin sont nombre de... Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant
ayant pris au vote. 37. Nombre de votants, 37. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. En fait, il y a une erreur. Ah, c'est 39. Excusez-moi. C'est 39. Oui, 39. Il y a deux procurations. 39. 39. Donc voilà. OK. Donc c'est bon. Désolé. Alors, donc, excusez-nous. Nombre de suffrages exprimés. Donc on en a 38. 38. Voilà. D'accord. Et donc la majorité absolue, elle est calculée par rapport à ça. Ça fait donc que. 17, 18, j'ai plus 15, gardez le droit. Attendez que je donne les résultats. 38, 38, divisé par 2, je sais plus combien ça fait. 19, donc c'est 20, voilà, c'est ça. C'est 20, voilà, ok. Voilà. Donc, je vais reprendre la lecture des résultats du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers présents à l'appel, n'ayant pas pris au vote, 39. Nombre de votants, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 0. Nombre de suffrages blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, 38. Majorité absolue, 20. Candidat, Madame Jacqueline Bellum, élue avec 33 voix, Monsieur Olivier Rajman, 5 voix. Madame Jacqueline Bellum, ayant obtenu la majorité absolue, est donc élue maire de notre ville. Et je déclare que je cède la présidence à notre maire, Madame Jacqueline Bellum. Merci Madame Boyaval pour cette brillante présidence. Donc je reprends la main pour notre conseil municipal. Je vais commencer par un petit discours. Madame la Présidente, chère Jocelyne, mesdames et messieurs, mes chers collègues, votre confiance m'honore autant qu'elle m'oblige. Et je veux vous remercier très sincèrement de la responsabilité que vous me confiez aujourd'hui de conduire pour les 6 années qui viennent notre majorité municipale. Je mesure l'ampleur de la tâche et les exigences de ce mandat. Soyez convaincus que je ne ménagerai ni mes forces, ni mon ardeur, et que je ne transigerai pas non plus sur nos ambitions communes. Alors que notre conseil municipal est toujours plus fort dans l'accomplissement du mandat que nous avons reçu. Je veux saluer tous les agents du service public, ceux de Malakoff, qui accomplissent leurs devoirs avec détermination, avec abnégation et qui sont la fierté de notre ville. Je veux, en notre nom à toutes et tous, les saluer pour leur courage, leur dévouement et le sens profond du bien public au nom duquel ils s'exposent en première ligne face au virus. Mais aussi à tous ceux de tout le pays. Oui, le service public est indispensable à nos vies. Et oui, nous avons raison de le défendre et de défendre ses droits. Je pense évidemment aux personnels soignants qui sont mobilisés jour et nuit depuis des semaines et à tous les employés des magasins d'alimentation, des commerces, aux employés de la propreté, des transports, au personnel enseignant, aux postiers, qui prennent tant de risques pour un salaire qui ne rend pas justice à leur mérite. À l'heure où cette crise sanitaire majeure
révèle l'importance de nos liens d'entraide et de solidarité. Ces femmes et ces hommes n'ont toujours pas été reconnus à leur juste mérite. Ces héroïnes et ces héros anonymes sont nos véritables premiers de cordée. Le 15 mars dernier, les électrices et les électeurs de Malakoff se sont prononcés de façon très nette en accordant, dès le premier tour, une majorité massive à la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Je souhaite, au nom de la majorité municipale nouvelle, les remercier de leur confiance. Et je remercie toutes celles et ceux qui se sont investis dans cette campagne, les militantes et les militants, qui n'ont compté ni leur temps, ni leur enthousiasme pour aboutir à ce beau résultat. Je tiens aussi à saluer toutes celles et ceux dont le suffrage se sont portés sur d'autres listes et qui ont accompli leur devoir de citoyennes et de citoyens dans des circonstances inédites. Que chacun et chacune soit assuré que la municipalité agira dans le sens de l'intérêt général, pour le mieux vivre de toutes les Malakoffiotes et de tous les Malakoffiots, sans exclusive et comme nous l'avons toujours fait. Je forme le vœu que les débats qui animeront les séances de notre conseil municipal soient empreints de courtoisie, de bienveillance et de la conviction que l'échange démocratique est un bien précieux et fragile. Notre majorité est riche, elle est diverse, elle rassemble très largement des citoyennes et des citoyens de toutes les formations politiques de gauche et écologistes. Celles et ceux qui la composent savent bien, désormais, que le plus dur reste à faire. Mettre en œuvre les politiques municipales publiques qu'attendent nos concitoyennes et nos concitoyens, donner une réalité aux engagements que nous avons co-construits avec eux et pris devant eux, faire progresser ensemble notre ville avec pour horizon la démocratie, l'écologie, la solidarité. Notre majorité a pris 150 engagements devant nos concitoyennes et nos concitoyens. Ils seront le cœur de notre action municipale, notre boussole pour les années qui viennent. Et grâce au futur Observatoire citoyen des engagements municipaux, leur réalisation sera la base d'un dialogue régulier avec les Malakoffiotes et les Malakoffiots. Notre majorité est féministe et elle prendra des décisions fortes pour que la place des femmes soit encore plus visible et renforcée dans notre ville. Elle combattra toutes les discriminations et garantira le droit à la ville pour toutes et tous. Nous aurons des débats, ils sont nécessaires et utiles. Mais nous aurons surtout des combats communs à mener, ce que je veux porter dans le respect de nos convictions et avec l'intérêt collectif pour boussole. Malakoff n'est pas une ville comme les autres. Elle a une histoire, elle a une tradition de lutte et d'émancipation. Nous avons une responsabilité envers celles et ceux qui nous ont précédés et qui ont tissé avant nous les fils de ce patchwork coloré, joyeux et vivant, qui nous est transmis aujourd'hui. Je suis fière que nous mettions dans nos pas, que nous mettions dans les pas de ceux de Léo Figuère et de Catherine Margaté. J'ai acquis, ces dernières années, une certaine expérience pour mesurer l'humilité de l'action publique, et si on ne réussit pas toujours ce qu'on voudrait faire, j'ai la conviction qu'on ne réussit en tout cas rien tout seul. C'est pourquoi je compte sur votre enthousiasme, sur votre énergie, sur votre ardeur pour agir chaque jour en faveur de nos concitoyennes et de concitoyens. La démocratie, vous le savez, ne se réduit pas au suffrage universel. Elle prend de multiples formes. Elle se réinvente en fonction des enjeux, des projets et de la volonté de la municipalité de respecter la parole des habitantes et des habitants. Soyez assurés de ma volonté pleine et entière de la faire vivre à Malakoff de toutes ses forces. La transition écologique est le défi majeur de nos générations. La préservation de nos biens communs, la protection de nos ressources naturelles, la qualité de vie des enfants et de celles et ceux qui viendront après nous doivent profondément modifier nos modes de vie.
notre rapport aux autres et à la nature. Mais cette évolution n'est pas une fatalité ou une menace. Elle est une opportunité à saisir pour réinventer une société plus juste, plus solidaire et plus attentive aux plus fragiles. La logique du profit immédiat et de l'accumulation jusqu'à l'absurde des capitaux, de plus en plus concentrés, a montré ses limites et nous expose à la catastrophe. Nous pouvons imaginer ensemble un autre modèle de développement responsable et harmonieux. Et la justice sociale est la pierre angulaire de cette révolution si nécessaire. La solidarité, c'est l'âme de notre ville, c'est le lien invisible et ininterrompu qui nous relie les uns aux autres, c'est la condition de notre vivre ensemble et notre fierté commune de ne jamais laisser personne au bord du chemin. L'heure est à l'urgence et au traitement de la crise sanitaire qui nous mobilise entièrement dans les responsabilités qui sont les nôtres. Je veux donc saluer la Direction générale des services qui, avec l'ensemble du personnel communal, ne ménage ni sa peine ni ses talents en ces heures si graves. Et lui confirmer en votre nom à toutes et tous que l'ambition et l'attachement que nous portons à notre ville lui offrira de multiples occasions de mettre en valeur ses compétences, son dynamisme et son goût de l'effort collectif. Je veux enfin remercier les élus qui ont achevé leur mandat et qui ne siégeront plus parmi nous. À l'image de Serge Cormier, premier adjoint de Catherine Margaté, puis de moi-même, qui s'est tant investi pour Malakoff et en faveur du logement social. Elle et il nous lèguent un riche héritage que nous devrons faire fructifier ensemble. Ma dernière pensée sera, si vous me le permettez, à une grande dame qui ne s'assiera plus parmi nous désormais, mais qui a tant donné pour notre ville, ses habitantes et ses habitants. Je compte évidemment sur son soutien, sur ses conseils, sur ses encouragements aussi, et je veux l'assurer qu'elle est pour moi une source constante d'inspiration dans l'exercice de mon mandat. Je ne peux pas penser, ne pas penser à toi, Catherine Margaté, chère Catherine, en ce jour où il m'est fait honneur de conduire un exécutif si riche de talents et de promesses. Alors, mes chers collègues, au travail, un autre monde est possible et nécessaire, et ne nous interdisons rien pour le construire. Je vous remercie. Alors, je vous propose de continuer notre séance sur la délibération qui doit fixer le nombre de maires adjoints sur la base de l'article L2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Ce sera un vote à main levée. Donc, le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder les 30% de l'effectif légal du conseil municipal. Vous avez dans votre délibération le mode de calcul qui a conduit à un calcul de 11 maires adjoints pour la ville de Malakoff. Alors, je vais passer donc au vote. Qui est pour ? Je vous remercie. Qui s'abstient ? Est-ce qu'il y a une voix contre ? Je vous remercie. Donc, le nombre de maires adjoints est fixé à 11, mais nous allons ajouter à ces 11 trois postes de maires adjoints de conseil de quartier que nous permet le Code général des collectivités locales. Selon l'article L2122-2-1, nous disposons dans les communes, dans notre commune, qui est dotée de conseil de quartier, la limite précité de 30% d'adjoints peut donner lieu à un dépassement en vue de la création de postes d'adjoints de quartier chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10% de l'effectif légal du conseil municipal. En conséquence de quoi, nous avons le droit à trois maires adjoints supplémentaires, conseils de quartier, mais qui auront aussi une autre délégation. Bien évidemment, ils ne seront pas que maires adjoints en charge du conseil de quartier. Alors, je vais procéder au vote. Qui est pour ces trois adjoints supplémentaires ? Je vous remercie. Qui s'abstient ? Merci. Qui est contre ? Aucune voix contre. Donc, nous allons donc cette fois-ci
voter cette fois-ci à bulletin secret. Donc, conformément aux deux points précédents, le conseil municipal a donc fixé par délibération à 14 et procédé à un troisième tour de scrutin. L'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée seront élus. Donc, j'ai reçu donc la liste des 14 adjoints pour la liste Ensemble pour Malakoff. Est-ce qu'il y a une autre liste proposée au conseil municipal ? Je laisse un petit délai de réflexion, comme la loi le permet. Aucune autre liste ? Donc, je vous remercie. Nous allons donc procéder à l'élection, cette fois-ci également à bulletin secret. Ah oui. Alors, vous avez les bulletins qui sont également dans votre petite pochette devant vous. Bon, il y a une petite erreur orthographique sur le nom de Jean-Michel Poulet. Hein, il faut enlever le « i », il n'y a pas de « i ». Ce n'est pas Jean-Michel Pouille, mais Jean-Michel Poulet. Excusez-nous, monsieur Poulet. Ah ouais, non. Oui, vous ne barrez pas le « i », hein, il ne faut pas que sinon le bulletin sera nul. Vous laissez comme ça, on a bien compris que c'était en substitution. Alors, évidemment... Nous allons faire le même petit exercice physique que tout à l'heure, c'est-à-dire que nos deux agents vont passer avec l'urne. Je vais vous appeler nominativement. Alors, les noms qui figurent sur votre bulletin. La liste présentée par Ensemble pour Malakoff. Donc, il y aura premier adjointe Sonia Figuère, deuxième adjoint Roderick Ars. Troisième adjoint, Corinne Parmatier. Quatrième adjoint, Anthony Touay. Vanessa Riati, cinquième adjointe. Dominique Cardo, sixième adjointe. Bénédicte Thibos, septième adjointe. Antonio Oliveira, huitième adjointe. Fatia Aloda, neuvième adjointe. Saliouba, dixième adjointe. Madame Dominique Trichet-Aller, onzième adjointe. Monsieur Jean-Michel Poulet, douzième adjointe. Madame Annick Le Guillou, 13e adjointe, et Monsieur Michel Awad, 14e adjoint. Donc, je vous rappelle que les bulletins sont devant vous et on va passer avec l'urne. Et je vais inviter chaque conseiller municipal à mettre le bulletin dans l'urne quand il sera appelé. Madame Jocelyne Boyaval. Ah ben non, ça commence mal, il faut venir par là. Allez, Madame Jocelyne Boyaval a voté. Madame Catherine Maurice. Monsieur Dominique Cardo. C'est quoi le problème ? T'as rayé ? Madame Fatia Aloda. Mais on a des listes supplémentaires normalement. Mais si, on en a. Madame Carole Sourig. Allez, on continue. Bah alors, Madame Aloda. Ah, on va te... Bah, tu peux pas l'ouvrir. Bien ça. Madame Carole Sourig, derrière, on continue. Il n'y a pas de bulletin supplémentaire ? Oh là là. On l'avait dit de prévoir des bulletins supplémentaires. Pourquoi l'a rayé ? Bellum Jacqueline. Bon, ça rentre pas. Voilà.
Monsieur Michael Goldberg. Non, pardon, Madame Aprikian Virginie. Monsieur Michael Goldberg. Je pense que pour les prochains votes, on va faire dans l'endroit. Monsieur Pascal Brice. Madame Le Guillou Annick. Monsieur Ars Roderick. Monsieur Oliveira Antonio. Madame Ibos Bénédicte. Il fait froid là. Ouais, on est sous la clim. Monsieur Courteil Loïc. Madame Parmentier Corinne. Madame Figuère Sonia. Monsieur Thomas François. Après on fera dans l'ordre, je pense. Madame Riati Vanessa. Monsieur Gutiérrez Grégory. Madame Trichet Allaire Dominique. Voilà, merci. Qui vote également pour Madame Muret-Julie, dont elle a la procuration. Monsieur, Madame Bella Youssef est là, pardon, qui donne pouvoir à Monsieur Tway Anthony. Monsieur Poulet Jean-Michel. Monsieur Farid Emidi. Monsieur Martin Vernant. Monsieur Julien Denas. Aurélien Denas, pardon. Pourquoi j'ai dit Julien ? Anthony Tway, monsieur Anthony Tway. Madame Kitenge Tracy, c'est bon? Monsieur, madame Fatou Sila. Monsieur Gilles Bressé. Monsieur Pronesti Roger, Madame Jeannès Emmanuel, Monsieur Rajman Olivier, Madame Ro Charlotte et Monsieur Totoui Stéphane. Alors, le vote étant terminé, on va pouvoir procéder au dépouillement. Donc, j'appelle à nouveau Madame Catherine Maurice et Madame Charlotte Rowe pour officier comme assesseuse, rejoindre l'équipe administrative au milieu de la salle.
Voilà, vous aussi, vous commencez à avoir une petite expérience. Merci beaucoup. Voilà, je proposerai tout à l'heure pour les deux autres délibérations, pour le vote de la CAO et du CCAS, que l'on vote pour le bien des mollets de nos assesseurs et de scrutateurs, que l'on vote dans l'ordre de la table. Hein, ça évitera de... Si vous en êtes d'accord, je ferai voter et puis on gagnera en temps. Malakoff ensemble. Malakoff ensemble. Malakoff ensemble. Malakoff ensemble. Malakoff ensemble. Ça s'épouille cette fois-ci, tous les noms. Malakoff ensemble. 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 Nul. Malakoff ensemble. Nul. Malakoff ensemble. Et un autre blanc. Donc, il y a 2 votes nuls, 4 votes blancs, et voilà. Trois voix pour la liste maire adjoint de Malakoff Ensemble. Donc...
donc majorité absolue. Alors, je vais procéder à la proclamation des résultats des maires adjointes. Merci. Donc, nombre de votants d'enveloppes déposées dans l'urne, 39. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, 2. Nombre de suffrages déclarés blancs, 4. Nombre de suffrages exprimés, 33. Majorité absolue à 37. Donc, la liste ensemble pour Malakoff, pour ses maires adjoints, est donc élue avec 33 voix. Je vous remercie et bravo à toutes et à tous pour cette élection. Alors, je vais donc procéder évidemment à l'appel des maires adjoints et je vais en profiter pour vous donner les délégations. Donc, à chaque fois que vous serez appelé, vous prendrez votre écharpe. Vous vous la mettrez tout seul, puisque voilà, la tradition, vu les circonstances sanitaires, fait qu'on ne peut pas se passer les écharpes. Voilà, ça rompt un peu avec le charme habituel, il faut bien reconnaître, mais bon, on respecte le cadre fixé. Donc, je vais donc appeler madame la première adjointe, qui sera madame Sonia Figuère, pour une délégation de la démocratie locale, la vie associative, les affaires générales et l'habitat. Bravo, madame Figuère. Je fais une petite bise, tac, tac. Alors, deuxième adjoint, monsieur Roderick Ars, urbanisme, espace public, bâtiments communaux. Bravo, monsieur Ars. Troisième adjointe, madame Corinne Parmentier, au développement économique, à l'artisanat, à l'économie sociale et solidaire et circulaire. Quatrième adjoint, monsieur Anthony Touail, politique sportive. Alors, voilà. Oui, le bleu en haut. Le bleu voilà. Le rouge. Non. Non, ça c'est pour les députés, monsieur Touail. Ah, c'est normal, ça fait toujours ça la première fois. Voilà. Bravo. Cinquième adjoint, madame Riati Vanessa, à l'éducation, qui comportera la petite enfance, l'enfance, les affaires scolaires et les centres de vacances. Bravo. Non, dans l'autre sens aussi. Non, le rouge en bas. Je rappelle que le rouge en haut, c'est pour les députés. Restons modestes. Voilà, bravo. Non. Ah, c'est un exercice moteur certain. Voilà, c'est comme ça qu'on évalue aussi le repérage dans l'espace. Monsieur Cardo, donc vous avez l'habitude. Sixième adjoint, ressources humaines et dialogue social. Bravo. On voit que monsieur Cardo est un habitué. Alors, madame Bénédicte Thibault, septième adjointe à la prévention et à la tranquillité publique. Alors, c'était presque bien, mais dans l'autre sens quand même. Non, c'est bon ? Bah non. Bah oui, dans l'autre sens. Sur l'autre épaule, voilà. Monsieur Anto... Bravo, Bénédicte. Non, on va pas y arriver. Ah. C'est comme ça. Monsieur Oliveira, huitième adjoint à la santé et aux finances locales. Bravo. Du premier coup, bravo. À madame Fatia Aloda, 9e adjointe, droit des femmes, lutte contre les discriminations, culture de paix, solidarité internationale, ville accueillante. Et voilà. Eh ben non, c'est pareil. En fait, on aurait dû faire une répétition de mise d'écharpe. C'est de l'autre côté, Fatia. Fatia, c'est... Voilà. Non, c'est parce qu'elle a une tendinite, non, c'est ça? Ah oui, ça, mais ça... Alors, le dixième adjoint, monsieur Saliou Ba, Action sociale, hébergement d'urgence, jeunesse. Bravo.
11e adjointe, Madame Trichet Allaire Dominique, transition écologique, nature en ville, biodiversité, énergie renouvelable, propreté, zéro déchet. Ouais. C'est presque ça. Ouais, bravo. Douzième adjoint, Monsieur Jean-Michel Poulet aux politiques culturelles. Treizième adjointe, Madame Annick Le Guillou aux initiatives publiques, à la ville inclusive et à l'intergénérationnel. Quatorzième adjoint, Monsieur Michel Awad, à la vie de quartier. Non, c'était bien, c'était bien. Non, c'était bien. Bon, bah oui, ça va. Bien, merci beaucoup pour cette épreuve. Alors, je précise que pour les adjoints de quartier, parce que nous avons trois adjoints de quartier qui ont en plus des délégations, pour le quartier sud, ce sera Monsieur Anthony Tway, plus sa délégation. Pour le quartier centre, ce sera Monsieur Michel Awad, plus sa délégation. Et pour le quartier nord, Madame Bénédicte Ibos, plus sa délégation. Je vais vous donner connaissance des délégués. Alors, vous savez que les délégués, ça ne passe pas en conseil municipal. Au projet éducatif territorial et au conseil éducatif local, Monsieur Gutiérrez Grégory, délégué au numérique et à la citoyenneté, Madame Julie Muret, déléguée à la ville genre, Madame Nadia Hamash, déléguée au commerce, Monsieur Nicolas Garcia, délégué à la ville étudiante, Madame Belhadj Youssef Ella, déléguée à l'éducation populaire, Monsieur Farid Emidi, délégué à la mobilité et la voirie, Monsieur Martin Vernant, délégué à la lutte contre les pollutions, toutes les pollutions, l'air, l'eau, le bruit et la pollution visuelle, et Monsieur Aurélien Denas, délégué à l'alimentation, à la restauration collective et au circuit court. Voilà, je vous remercie. Nous continuons. Enfin, bravo aux délégués. Alors, vous avez dans vos délibérations la charte de l'élu local. Je ne vais pas vous en faire lecture, puisqu'on va essayer d'accélérer un peu le conseil. Je vous rappelle juste à votre mémoire que cette charte n'est pas celle de la ville. Contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ce n'est pas proposé par la municipalité, c'est la loi. C'est la loi 2015-336 du 31 mars 2015 qui a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des maires adjoints, le nouveau maire doit donner connaissance au conseil municipal de cette charte selon l'article L1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Pour ce qui concerne la majorité municipale, nous avons bien signé une charte de l'élu local qui va beaucoup plus loin que celle-ci également, qui n'est pas celle de la charte anticor, mais qui a été donnée à connaissance d'ailleurs de tous les Malakoffiotes et les Malakoffiots dans notre programme municipal. Voilà, donc je vous le donne en connaissance et à lecture, puisque c'est la loi. Et puis maintenant, nous allons procéder. Alors nous avons rajouté deux délibérations, hein, contrairement à ce que vous avez dit au départ, l'élection de la désignation des membres de la CAO et du CCAS, parce que la préfecture nous a demandé de le faire, parce que ça nécessite un vote à bulletin secret et que comme notre prochain conseil municipal sera en visioconférence, on ne peut pas organiser des bulletins secrets en vidéoconférence. Donc nous allons donc procéder à la mise en place des membres qui sont pour la CAO. Alors, la CAO, c'est évidemment, tout le monde le sait, la commission d'appel d'offres qui étudie le jury de concours et aussi la commission compétente en matière de délégation des services publics. Donc le droit de la commande publique issu de la transposition des directives européennes 2014 réforme
la commission d'appel d'offres afin de permettre à chacun, à chaque acheteur, de se doter des règles les mieux à même de répondre aux caractéristiques qui lui sont propres, à son environnement et à ses contraintes. La composition de la CAO est désormais alignée sur la commission compétente en matière d'élégation des services publics. La CAO est composée d'un président et de 5 membres titulaires de l'Assemblée délibérante élus en son sein à la représentation à la proportionnelle, au plus fort reste, et un nombre égal de suppléants est désigné également dans les mêmes conditions que les titulaires. La CAO est compétente pour désigner le soumissionnaire à qui sera attribué le marché. Elle se prononce également sur tous les projets d'avenant au marché public supérieur au seuil européen et d'une augmentation supérieure à 5% du montant initial. Lorsque les collectivités organisent un concours ou un marché de maîtrise d'œuvre, elle doit prévoir l'organisation d'un jury qui donnera son avis sur le choix des candidats admis à concourir et sur l'attribution du marché. Ce jury est alors composé de membres de la commission d'appel d'offres, mais aussi de personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Donc je vous propose ce matin aux membres du conseil municipal de bien vouloir désigner à la représentation proportionnelle au plus fort reste les 5 membres titulaires et les 5 membres suppléants qui composeront la commission d'appel d'offres et participeront au jury de concours pour notre ville. Donc vous avez les bulletins qui sont également dans votre petite pochette. Et alors, ce que je vous propose, pour gagner un peu en temps et pour ménager les mollets de Monsieur Dautel et de Madame Wilcom, c'est que nous commencions par le début, voilà, et j'appellerai au fur et à mesure. Je pense que je connais tout le monde. Attendez. Prenez l'urne. Tout le monde est prêt? Ouais, je vais prendre la liste, merci. Attends que je me trompe pas, moi, c'est bien ça la CAO, ça c'est le CCAS. C'est la CAO. Ah oui, c'est la CAO. Tiens, bah donne-moi. On peut commencer par le bout. Très bien. Alors on commence par Madame Sourigue. Alors Madame Sourigue a voté. Pas encore, ça va venir. À voter. Monsieur Gutiérrez. Madame Maurice. Monsieur Brice. Monsieur Émidi. Monsieur Courteil. Madame Silla, Monsieur Goldberg, Monsieur Denas, Madame Nadia Amache, Madame Le Guillou, Madame Trichet-Allaire, qui vote également pour Madame Muret. Julie, merci. Madame Ibos-Bénédicte, Monsieur Oliveira, Monsieur Tway, qui vote également pour Madame Belhadj Youssef. Madame Parmentier, Monsieur Ars, Madame Boyaval, Madame Bellhomme, Madame Figuère, Madame Riati, Monsieur Cardo, Madame Aloda, Monsieur Bas, Monsieur Poulet, Monsieur Awad, Monsieur François, Monsieur Vernant, Madame Kitenge, Thank you.
Monsieur Garcia. Madame Aprikian. Monsieur Rajman. Madame Jeannès. Monsieur Pronesti. Madame Rowe. Monsieur Bressé. Monsieur Totoui. Merci bien. Donc le vote est terminé. Je vais demander à Madame Maurice et Madame Rowe de venir dépouiller si elles le veulent bien. Bien, merci beaucoup. Quelle efficacité, bravo. Commence à avoir une certaine expérience. Oui, je vais. Non, mais j'attends les résultats. Oui. Ah oui, bah 38 votes pour la liste commune et un vote pour la liste. D'accord. Donc voilà, sur les 39, 38 pour la liste commune, un vote blanc. Donc, mais je peux avoir une liste pour je donner à connaissance quand même du public les. Merci. Merci bien. Non, ce que je veux, c'est les noms des gens. Merci. C'est ça, ça ne me dit pas grand. Liste commune, c'est pas suffisamment précis. Merci beaucoup. Donc, sont élus pour représenter la municipalité à la CAO, comme titulaire, Madame Catherine Maurice, Monsieur Roderick Ars, Madame Virginie Aprikian, Monsieur Anthony Touay et Monsieur Roger Pronesti pour l'opposition, les premiers cités étant de la majorité municipale, pardon. Les suppléants donc, de la majorité municipale, M. Michel Awad, Mme Bénédicte Thibos, Mme Corinne Parmentier et M. Vernan. Et pour l'opposition, M. Gilles Bressé. Voilà.
Je vous remercie. Nous allons donc passer maintenant à l'élection des membres du conseil municipal pour le CCAS. Voilà. Cette délibération a également été ajoutée pour les mêmes raisons que celle précédente, c'est-à-dire un vote à bulletin secret qu'on ne pourra pas faire le 3 juin puisque nous serons en téléconférence. Donc tout le monde connaît le CCAS. La ville de Malakoff siège comme établissement public, comme au sein de l'établissement public communal et notamment au sein du CCAS. Il anime une action générale de prévention, de développement social dans la commune en lien étroit avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Le CCAS participe également à l'instruction des demandes d'aide sociale. Le CCAS est administré par un conseil d'administration présidé de droit par la maire. Le conseil d'administration comprend un nombre égal au maximum 8 membres élus par le conseil municipal, ce que nous allons faire aujourd'hui, et désignés dans le respect de la représentation proportionnelle, et 8 membres nommés par la maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Par arrêté de la maire, on vous donnera les noms ultérieurement. Donc le Code de l'action sociale et des familles prévoit que les 4 catégories d'associations suivantes fassent obligatoirement partie du conseil d'administration. Donc il nous faudra un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant ou une représentante des associations familiales désignées sur la proposition de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, une ou un représentant des associations des retraités des personnes âgées du département, une ou un représentant des associations de l'association des personnes handicapées du département. Donc il est proposé fixer au nombre de 16 le nombre d'administrateurs du CCAS, dont 8 membres élus parmi les conseillers municipaux et 8 membres nommés par la maire. Désigner les élus dans le respect de la représentation proportionnelle qui siégeront au conseil d'administration du CCAS et de prendre acte que la maire désignera ultérieurement par voie d'arrêté les 8 autres administrateurs complémentaires au titre notamment des représentants d'associations sociales ou caritatives. Alors comme tout à l'heure, vous avez un bulletin de vote dans votre... Il y a la liste qui est présentée donc par la majorité municipale et la liste qui est présentée par Demain Malakoff. Hein. Alors, vont voter dans l'ordre. On commence donc Monsieur Stéphane Tautoui. À voter. Monsieur Bressé, Madame Rau, Monsieur Pronesti, Madame Jeannès, Monsieur Rajman, Madame Aprikian, Monsieur Garcia, Madame Kitenge, Monsieur Vernant, Monsieur François, Monsieur Awad, Monsieur Poulet, Monsieur Bas, Madame Alouda, Monsieur Cardo, Madame Riati, Madame Figuère, Madame Bellhomme, Madame Bouillaval, Monsieur Ars, Madame Parmentier, Monsieur Tweil, qui vote également pour Madame Belhadj Youssef, Monsieur Oliveira, Madame Ibos, Madame Trichet-Aller, qui vote également pour Madame Julie Muret. Madame Le Guillou. Madame Amache.
Monsieur Denas. Monsieur Goldberg. Madame Silla. Monsieur Courteil. Monsieur Emidi. Monsieur Brice. Madame Maurice. Monsieur Gutiérrez. Madame Sourig. Alors, je vais demander à mesdames Maurice et Rouault de venir dépouiller pour ce dernier vote de la matinée. La majorité municipale. Ce qui nous fait donc un vote nul, 5 voix pour l'opposition de Mme Malakoff. Demain Malakoff et 33 pour la majorité municipale. Donc sont désignés, élus, au CCAS, M. Salouba, comme titulaire, M. Salouba, Mme Boyaval, Mme Carole Sourig, Mme Julie Mouret, M. Martin Vernant, Mme Aloda Fatia, M. Michel Awad, M. Dominique Cardot. Et pour... il n'a pas été élu, puisque il n'y en a que... Excusez-moi. Et donc, Mme Charlotte Rowe, donc pour la liste demain Malakoff. Voilà, je vous remercie. Bravo à toutes et tous pour ce vote. Alors, la séance a déjà été bien longue. Nous avons encore une délibération à main levée cette fois-ci, qui est la délibération pour autoriser la maire à signer, évidemment, des... pour assurer la bonne continuité du fonctionnement de l'administration, c'est les attributions au pouvoir du maire, selon l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de bien vouloir déléguer à Madame la maire le pouvoir de prendre toute décision dans les domaines et les conditions déterminées par la présente délibération. Donc vous avez la délibération à connaissance. Il y a 29 compétences, évidemment, qui sont énumérées et qui permettent la vie municipale entre chaque conseil, évidemment, et qui sont toujours portées, évidemment, à connaissance des élus, bien évidemment, au début de chaque conseil municipal. Donc je vais vous demander de voter pour cette délibération. Qui est pour ? Je vous remercie à l'unanimité. Alors, je vais clôturer ce premier conseil municipal de la mandature. Je vais vous demander, avant de quitter les lieux, d'abord d'être certain d'avoir bien tous signé le procès-verbal d'installation des élections du maire et des adjoints, le feuillet de proclamation des résultats et la feuille de présence, avec le stylo qui est placé devant vous et que vous pourrez... utiliser, bien sûr, un stylo unique. Et en partant, quittant la salle, je vais vous demander de faire attention, bien respecter les distances d'un mètre hein, pour ne pas faire trop d'attroupement et de sortir. Vous avez deux portes. Hein. Je ne donne pas les noms, mais enfin, vous êtes assez, je pense... Pardon ? Ah, pardon, je... Donc l'entrée A et l'entrée B pour éviter les regroupements. Voilà. Je vous donne rendez-vous, bien évidemment, le mercredi 3 juin prochain à 19h, cette fois-ci en téléconférence pour notre deuxième conseil municipal, qui sera préparé avec les présidents de groupe le 28 mai prochain. Alors les présidents de groupe, pourquoi ? C'est parce que les commissions municipales ne sont pas encore désignées, puisqu'elles le seront... au prochain conseil. Et pour le conseil du mois de juillet, là, il y aura des commissions municipales préparatoires classiques. On vous donnera les dates. Voilà. Je vous remercie de votre attention, de votre participation et je vous félicite encore pour votre élection. Bravo. Et à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. On doit sortir ici.